toi l'Éternel Tout-Puissant qui vous unit dans
et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, j'ai l'honneur donc ce matin d'officier ce jour de mariage civil contre mademoiselle Pastelia Quagga, Tiga et monsieur Franck Mavine. La cérémonie va se dérouler selon le rituel habituel. 1. Lecture des dispositions de l'article 1. 2. Observation des conditions de fond. 3. Rappel des effets du mariage. 4. Échange de consentement. 5. Pose des alliances. 6. Signature des actes théoriques du fleuve, du code fleuve. 7. Séance de photos et ouverture des actes. 8. Fin de la cérémonie. Définition du mariage. Le mariage est l'acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la loi numéro 0113-84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille. Des conditions de fond. Article 129, 134. 140, 141. Article 129, portant sur le consentement des époux. Chacun des époux, même mineur, doit consentir personnellement au mariage. Le consentement n'est point valable lorsqu'il a été extorqué par violence ou s'il a été donné que par suite d'une erreur sur l'identité physique, civile ou sur une qualité essentielle telle que l'autre époux n'aurait pas contracté s'il avait connu l'erreur. Article 179 qui stipule sur l'échange des consentements. Ah, je vais maintenant que les choses sérieuses. L'officier d'état civil, après avoir donné lecture des articles 166, alinéa 1, 167, 168, 169, 171 et 178, reçoit chaque partie, l'une après l'autre, les déclarations qu'elles veulent se prendre en mari et femme ou qu'elles persistent dans leur volonté de se prendre en mari et femme. Article 168 portant sur la direction normale et matérielle de la famille. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction normale et matérielle de la famille, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef de famille, s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, son absence, de son éloignement ou s'il abandonne volontairement la vie commune ou pour toute autre raison. Article 41 qui dispose sur le versement de la dot. C'est toujours dans le même cadre, dans le chapitre. La dot est reversée aux parents paternels et maternels de la future épouse, conformément à la coutume des parties. En cas de dissentiment de père et de mère sur le montant ou le principe de la dot, ce partage emporte acceptation. En cas de refus de père et de mère de percevoir la dot, le conseil de famille doit statuer sur le principe et éventuellement sur le mot de la dot. Ça, c'est des arrangements, hein? Parce qu'il y a aussi des familles paternelles comme maternelles, c'est pas compliqué. Donc il faut leur donner la latitude de voir un peu clair sur le sujet. Article 140 portant sur le caractère de la dot. La dot a un caractère symbolique. Elle est facultative. Elle peut être payée en natif ou en espèces ou sous les deux formes. En aucun cas, son montant ne pourra dépasser la somme de 50 000 francs CFA.
où son versement est retrouvé conformément aux dispositions du code pénal. J'ose espérer que le consul, qui est déjà rempli à la matière, a reçu une déposition du côté paternel qui reconnaît avoir reçu la dot. Pas supérieur à ce même. C'est le consul qui nous confirmait. Merci, monsieur le consul. Donc, l'officier d'état civil que nous sommes et les témoins qui sont là ne seront pas poursuivis pour déni de droit. Bien, mais j'ai entendu les gens rire. Bon, je ne veux pas. Nous n'allons pas manger par le dos de la cuillère. Il faut aussi dire la vérité. Je fais partie de la société. Il arrive que la dot atteigne 1 million, 2 millions, 3 millions. Chez nous, il arrive. Je vais commencer par monsieur. Donc je vais vous poser la question. Si vous voulez répondre, comme mademoiselle, comme monsieur, en mariage, vous allez répondre. Le public est là. On m'a dit que la majorité, ils ont des plombs des oreilles. Donc il faudra crier aussi fort. Mais moi, je n'entends pas. Donc, voilà. Monsieur Franck, Armand Maville, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Pasteli Fuaga Mutsiga? Oui, je le veux. Tu es ma voix.
On doit nous informer que ceux pour lesquels nous sommes réunis ici ce matin sont là. Spécial. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Alléluia. Quand Dieu créait, les anges chantaient, disaient tous que tout était bon. Premier jour jusqu'au sixième jour, alors la chanson changea, il n'est pas bon que l'on soit seul.
C'est encore un privilège pour nous d'être en ces lieux.
cet événement si spécial, le mariage de nos bien-aimés. Si vous dites non, je vais faire des petits travaux, je vais gagner pour moi ma vie, c'est un choix et personne n'a le droit de juger quelqu'un par rapport à son choix. Et chacun doit respecter le choix de chaque personne. Si celui-là a choisi d'être musulman, c'est son problème avec son Dieu. Ce n'est pas toi qui es son créateur. Tu n'as pas le droit de le critiquer. Tu n'as pas le droit de le forcer. C'est un choix. D'autres si ont choisi de ne pas servir Dieu. C'est leur choix. Amen. Donc chacun par rapport à son choix, c'est là où il va passer sa destinée. Là où il ira, chacun par rapport à son choix. Et comme le dit Paul, en tant que bon père, je vous demande de faire le bon choix. Amen. 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 Maintenant, il y a un autre choix qui vient, qui est le choix dans la vie. Un compagnon, une compagne avec laquelle ou avec lequel on veut passer la vie sur cette terre, relève aussi d'un choix. Amen. L'on ne force personne à aller se marier. Non, c'est quelqu'un qui se lève pour dire j'ai prié. Eliezer a prié, c'était un type. Parce que ici, Isaac représente notre Seigneur. Rebecca représente l'épouse de Christ. Vous verrez que quelque chose se passe. Parce que tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament n'est qu'une ombre. Quand on lui a demandé, est-ce que tu vas aller avec cet homme, avec cet inconnu, elle n'a même pas réfléchi deux fois. Elle a dit, j'irai. Oh, une femme qui peut prendre une décision, elle ne sait pas où est-ce qu'on en a. Il dit, je vais y aller. Qu'est-ce qui s'est passé? La profondeur appelle la profondeur. Il y avait quelque chose dans Rebecca qui répondait à la profondeur de ce qui était dans Isaac. C'est pourquoi même sans voir Isaac, elle a dit que je vais m'en aller. Alléluia. Isaac, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Quand on nous a parlé de lui, est-ce que vous voulez y aller? Nous avons dit, nous voulons partir. Mais nous n'avons jamais vu. Il y a quelqu'un qui l'a vu, il y a Eliezer qui l'a vu, il y a Eliezer qui a rendu témoignage. Il dit, mon Seigneur est si riche, il a beaucoup de biens. Tous ces chemins ici, c'est pour lui. Amen. Il a élevé l'homme appelé Jésus. Amen. Cet homme, on l'appelle le parent rédempteur. Amen. Cet homme, on l'appelle Goël. Cet homme, il est tout ce dont nous avons besoin. Et jamais Eliezer prendra la place d'Isaac. Eliezer sait que c'est un serviteur. Il a son Seigneur Isaac. Il ne peut pas travailler pour son propre camp. Il ne peut pas détourner Rebecca. Il va amener Rebecca vers Isaac. Alléluia. Mais ne tournons jamais le brevet du Seigneur vers quoi que ce soit, vers un créneau, vers une dénomination. Amenons le brevet du Seigneur vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, mais elle a cru à toutes ces promesses-là. J'ai lui ouvert un compte bancaire. Et elle allait signer. Maintenant, je ne vais pas aller signer moi-même, je prends l'argent. Mais c'est ton argent. Amen. Pas toujours le. Mais j'ai quand même l'argent. Non, laissez-la quand même un peu. Allez un peu au supermarché. Elle vient ce que ceci. Elle achète ici. Elle vient. C'est content. Est-ce que vous saisissez? Les femmes aiment ça. Il faut vraiment gérer l'amour. Il faut arroser l'amour. Si au travail ça n'a pas marché, ne viens pas les visages fermés. Non. Les problèmes du travail, laissez ça au travail. Quand tu viens à la maison, tu es l'époux de quelqu'un. Chérie, c'est comment ça a été? Mais tu viens à la maison, la femme, les visages bien fermés. Mais chérie, c'est quoi? Oh, même si elle est fâchée, il faut savoir gérer la chose. Chérie, c'est quoi? Je ne te vois pas avec une bonne mine aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, je t'avais demandé un peu de m'amener là-bas, tu ne m'as plus pas amené. Non, chérie, sois tranquille, je vais t'amener. Savoir gérer la femme, savoir gérer le foyer,
si tu gères bien ton foyer, Marie, quand tu es là, on va commencer à t'appeler. Chérie, tu es où? Vraiment, le cœur s'abat. À l'unisson toujours, même si vous savez 20 ans que vous êtes mariés. Mais si ce n'est pas ça, oh, quelques temps après, ça sera le divorce. Et le divorce, nous, on ne croit pas que vous pouvez divorcer. Si vous divorcez, vous restez comme ça. Ah oui, c'est clair. Ou bien vous retournez avec votre femme, comme le dit la Bible. Nous, on croit 100% à la Bible, sans ajouter, sans rétention. Amen. Oui. Cela, c'est par rapport au choix que vous faites. Si vous avez fait un bon choix, vous l'avez. Nous sommes rassemblés ici en présence de Dieu et en face de cette congrégation pour unir cet homme et cette femme dans un saint mariage, ce qui est recommandé par saint Paul comme étant quelque chose d'honorable parmi tous les hommes. C'est pour cela qu'il n'est pas donné à qui que ce soit d'y entrer imprudemment ou avec légèreté, mais plutôt respectueusement, sagement, raisonnablement, dans la crainte de Dieu. Dans cette sainte cérémonie, ces deux personnes présentes sont venues pour être unies. S'il y a quelqu'un ici qui peut montrer un motif juste pour lequel il ne devrait pas être légalement uni dans ce saint mariage, qu'il le dise maintenant, sinon qu'il se taise à partir de cet instant jusqu'à jamais. Ça s'adresse à l'Assemblée. S'il y a quelqu'un qui connaît un motif valable, qui peut faire en sorte que ces couples ne soient pas unis, qu'ils puissent le déclarer maintenant, sinon qu'ils se taisent à jamais. Alors, comme il n'y a pas quelqu'un, je vous exigerai et vous demanderez vous deux, comme vous répondrez sûrement au jour du jugement, lorsque les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Si l'un d'entre vous connaît un quelqu'un empêchement pour lequel vous ne devriez pas être légalement mis ensemble dans ce saint mariage, confessez cela maintenant, car soyez assurés que tout couple qui sera uni autrement que le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Ça s'adresse au couple. S'il y a un motif légal, tu as été marié à Pointe-Noire, tu viens te cacher ici que tu n'as jamais été marié. Ah oui, c'est un motif. Parce que souvent, l'homme quitte Pointe-Noire, il va à Cotonou, il ment, il n'est pas marié. Il enlève l'alliance, il jette ça. Mais voilà qu'il veut se marier. Mais des fois, Dieu est Dieu. Pendant qu'il est là, il y a quelqu'un qui était dans son mariage. Avec une photo à l'appui. Dit, monsieur, cet homme ne doit pas se marier. Voilà la photo. Voilà. Et là, si ça se passe comme ça, malgré tout ce qu'on a préparé, tout sera annulé. Pourquoi? Parce que c'est un motif légal. Mais croyons que vous avez dûment réfléchi à cette responsabilité sacrée, que vous êtes sur le point d'assumer, alors que vous vous êtes préparé pour y entrer respectueusement, sagement, dans la crainte de Dieu, je vous proposerai l'alliance, le pacte de mariage, vous témoignerez la chose, la même chose, pendant que vous joignez vos mains. Donc, je crois qu'ils ont apporté que c'est une responsabilité sacrée. Quand on fait ce vœu, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors qu'ils vont se lever, ils vont joindre leurs mains droites. Thank you.
comme votre épouse légitime pour vivre ensemble dans cette sainte vie conjugale, promettez-vous de l'aimer et de l'honorer et de la chérir et la supporter dans la maladie ou la bonne santé, la richesse ou la pauvreté, et promettez-vous d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous vivrez tous deux. Oui, je le veux. Pour vivre ensemble dans cette sainte vie conjugale, promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir, de le chérir, de le supporter dans la maladie, la bonne santé, la richesse, la pauvreté, et promettez-vous de vous attacher uniquement à lui aussi longtemps que vous vivrez tous deux. Oui, je le promets. Thank you.
Alors les voici que l'on a montré. Un homme de bruit. C'est un goût très spécial pour eux. Les voici, monsieur et madame Aviga. Merci beaucoup pour votre participation.
Alors, nous allons commencer la cérémonie. Alors, pourquoi commencer cette cérémonie-là sans éviter celui qui a fait que nous sommes là ce soir? Nous sommes tous bien portants, bien habillés. Mesdames et messieurs, vous êtes très beaux, vous êtes très belles. Alors, nous allons donner la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Étienne Méo, qui est aussi le pasteur du groupe, d'introduire cette entrée de mariage. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu cesses de faire pour nous. Voir ces couples mariés, cela ne relève pas d'une compétence personnelle, mais cela nous aide. Et comme dans chaque réunion, nous devons toujours t'inviter afin que tu sois le début et la fin de ce que nous allons faire. Nous demandons, Seigneur Jésus, que tu sois au milieu de nous. Qu'il n'y ait rien qui puisse nuire à notre santé. Que tout se passe dans de bonnes conditions. Le repas qui sera servi soit, Seigneur, un repas qui va vraiment donner la bonne santé à chacun. Et que toute la cérémonie est remise entre ta main. Et que toi seul puisses prendre contrôle, Seigneur. Nous croyons que chaque fois que nous élevons la voix vers toi, tu nous l'accordes. Bénis encore une fois ce couple, bénis chaque personne ici présente, accorde à chacun le désir de son cœur jusqu'à ce que nous puissions quitter cette terre quand tu viendras nous chercher. Béni soit Dieu pour tout, au nom de Jésus, nous avons ainsi pu demander. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, merci d'être là déjà. Soyez les bienvenus encore une fois. Au nom du couple, au nom de Arnaud et Pastelli, nous vous remercions. Beaucoup de gens sont là, mais ne les connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur nom, ne connaissent pas leurs parents. Alors pourquoi ne pas parler d'eux, parler de leurs parents, d'où ils viennent, leurs origines, qu'est-ce qu'ils font, les connaître mieux. Alors je vais commencer par l'époux. Son nom, c'est M. Maviva. Son prénom, Franck Arnaud. Et la profession, c'est un ingénieur en électrotechnique et en électrotechnique par climatisation. Et il est né au Congo-Brazzaville. Alors sa belle épouse, Madame Maria, qui était avant Foga Musinga, avec le prénom de Pastelli. Elle est aussi au Congo-Brazzaville et a une profession, elle a un master en qualité et sécurité environnement. Elle est technicienne en biochimie. Alors s'il vous plaît, je vous prie de les applaudir encore une fois. Merci beaucoup. Alors nous allons aussi parler de nos invités. Les invités sont là. Alors, y a-t-il des parents ici? Des parents du couple? S'ils peuvent se lever, ceux qui sont de la famille. Levez-vous si vous êtes de la famille, on va voir. Papa, maman. Et je rappelle aussi que les parents de Madame Maringa sont là. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, je rappelle qu'ils ont fait le déplacement depuis le Congo-Brazzaville pour assister à ce mariage. C'est un grand honneur de les accueillir ici au Sénégal. Je vous remercie, papa et maman. Soyez les bienvenus et que ce séjour soit pour vous un très bon séjour. Oui. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Au nom de vos enfants, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer au collègues de travail, et s'ils sont là, ils peuvent se lever aussi, nous allons les honorer. Alors, merci beaucoup aux collègues de travail. Vous avez fait le déplacement, vous êtes très occupés,
Vous êtes venus les honorer et nous vous remercions. Le couple vous remercie. Merci beaucoup. Alors, les amis et connaissances aussi, nous ne vous oublions pas. Si vous êtes amis du couple, vous vous lever aussi pour marquer votre présence, pour qu'ils sachent que vous êtes là et que vous les soutenez par votre présence. Alors, je vous prie de vous lever. Tous les amis et connaissances qui sont là, vous lever. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Merci mille fois. Alors, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la remise des cadeaux. Pour tous ceux ou celles qui ont apporté quelque chose pour Arnaud et Patrick, Arnaud et Patrick, nous vous prions de bien vouloir manifester. Et pour ceux qui aussi veulent venir, ceux qui veulent venir prendre une photo avec eux, vous pouvez venir. Donc, nous vous remercions beaucoup. Et je vous demande aussi de mettre la musique. Vous préparez ce moment. Je pense que je vous ferai signe pour que vous puissiez venir et vous avancer pendant propice. Merci beaucoup. Bonjour, le couple. Bonjour, Mabina. Bonjour. Le couple, Mabina, le couple aussi bien. Il y a la lumière, il y a un couple.
Tout le bonheur est pour nous, car vous nous avez honorés. Je rêve bien de vous être là.
mais les circonstances ont fait que nous sommes là. Et qu'à cela ne tienne, que Dieu vous bénisse très richement. Soyez heureux, je vous souhaite toutes les bonnes choses dans votre foyer. Que le Dieu de William Branham soit avec vous. Nous sommes très heureux pour vous. Allez de l'avant, tout en gardant sur votre cœur que le Seigneur revient très vite. Que Dieu vous bénisse richement, c'est un seul moment. Je vous souhaite un heureux mariage. Que le bonheur en vous et que Dieu compte de tous ces nombreux bienfaits que vous avez. À travers cette vidéo, prononcer quelques mots de parole à l'égard du couple, là où au couple. Merci beaucoup. Alors je pense que nous avons un moment d'émotion. Tellement énorme. Je voudrais vous y applaudir. Tellement fort. Nous disons merci, merci, merci à toute l'équipe qui a offert ce beau cadeau. En tout cas, c'était beau. Je me suis bien régalé et ça me donne envie de danser. Qui est prêt pour danser ce soir? Levez la main ceux qui sont prêts pour danser ce soir. Alors les bonnes choses vont commencer tout de suite. Vous avez bien mangé, le sac à table était très bon, de bons poulets, de bonnes frites. Maintenant, là, mettez la salle de côté, on va danser. Alors, dans un peu le temps qu'on débarrasse, le temps que vous puissiez terminer, je vais inviter le couple à venir sur la piste pour monter quelques pas de danse. Et tous, les pieds, tout le monde, les célibataires, tous les frères et sœurs là-bas, nous allons monter ici, montrer notre joie, montrer que nous sommes là pour les honorer, montrer que nous sommes là. Parce que nous les aimons. Alors tout de suite, préparez-vous, ça sera vraiment chaud aujourd'hui. Ce soir, ça va chauffer. Et nous allons inviter aussi nos invités à participer à la danse. Alors préparez-vous, à tout de suite. Merci beaucoup.
nous accompagnons les tribunaux, accompagnons les droits de l'honneur, tout le monde, venez sur la piste. Thank you.
Thank you.